Le groupe industriel privé Civital a cédé ses 3% d'Orascom Telecom à l'opérateur russe de services télécommunications Velpencom pour une contrepartie de 234 millions de dollars. Le 18 avril dernier, le Front National d'Investissement avait annoncé la signature d'un contrat d'achat d'actions pour l'acquisition d'une participation de 51% dans OTA pour un montant de 2634 milliards de dollars. Selon les termes du contrat, Global Telecom Holding, filiale majoritaire d'Ethnor par Velpencom, doit acquérir les actions de Civital qui recevra en contrepartie des obligations convertibles sur 5 ans. L'information vient d'être confirmée par Essad Al-Abrab, le patron du groupe Civital, lors d'une interview accordée au journal électronique Challenger. Nous venons de vendre nos 3% d'Orascom Telecom Algérie aux Russes Velpencom et obtenu en contrepartie 234 millions de dollars en actions sur cette société. Côté à la bourse de New York, a affirmé Al-Abrab en répondant à une question sur les capacités financières du groupe à l'international. Comme Velpencom est coté à la bourse de New York, Civital n'aura pas de problème de liquidité bien que l'Algérie interdise les sorties de devises. La cession des 51% du groupe d'OTA au FNI s'avère très bénéfique pour le groupe qui poursuit son déploiement à l'international. Les initiatives portant sur le renforcement des relations bilatérales entre opérateurs algériens et leurs homologues étrangers se multiplient. L'objectif est la tenue du premier forum des chefs d'entreprise algéro-canadiens qui aura lieu du 19 au 21 juin prochain au Centre d'affaires méridien d'Oran. Parrainé par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, cette manifestation aura pour thème « Partenariat, expertise et développement commun ». Elle regroupera plus de 120 entreprises canadiennes et autant d'opérateurs algériens pour examiner les opportunités d'associations dans le cadre de la délocalisation, du transfert de technologies et de la formation, a précisé Abdelaziz Mehri, président de la CIPA. Plusieurs secteurs d'activité sont retenus pour d'éventuels échanges et partenariats entre les opérateurs algériens et canadiens, dont l'aéronautique, le BTHB, les énergies renouvelables et l'industrie agroalimentaire. Les échanges entre les deux organismes pourraient déboucher sur le lancement d'un centre de formation dans le secteur constituant d'un centre d'intérêt pour les deux parties. Pour la CIPA, ce forum est un signe de force d'implication dans le secteur productif privé dans le processus de relance de l'investissement industriel. Le World Economic Forum a publié une nouvelle version du Global Information Technology Report dans laquelle le Maroc est positionné au 90e rang dans le classement 2014 sur l'indice de la disposition à la connectivité numérique. Le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique explique dans un communiqué que l'erreur dans le classement du Maroc sur cet indice est due à une reprise erronée des données exploitées par le Forum économique. Le ministère a par ailleurs signalé que des incompréhensions au niveau de certains indicateurs qualificatifs comme celui de l'utilisation des citoyens des réseaux sociaux où le Maroc a régressé au niveau des classements mais aussi de la note, souligne le texte qui précise que ces éléments n'ont pas été pris en considération par le Forum économique dans la version corrigée du rapport.